Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de visiter la Sylve des sports, la cascade de réalité et la bomboche. Alors la bomboche, c'est tout simplement l'emplacement qui se trouve ici où il y a la grosse tête de nounours sur la montagne. Ensuite, la Sylve des sports, je suppose que c'est l'arbre qu'on voit juste ici, donc juste là. Et la cascade de réalité, je pense que c'est la cascade qui se trouve juste ici. Donc on va aller visiter la salve des sports, parce que moi j'ai déjà visité la bonbonne. Donc on va se rendre à la salve des sports, normalement c'est ici que ça doit se passer. Et ensuite nous irons à la cascade visiter, voir ce qu'il y a là-bas. Ah peut-être qu'ici en fait non, ici c'est la cascade, regardez. Là il y a des cascades, donc en fait je me suis trompé, j'ai interverti les deux. Ici à mon avis ça doit être la cascade de réalité. Ouais, exactement, c'est bien la cascade de réalité juste ici. Et donc, le dernier emplacement, c'est la Sylve des sports. La salve des sports. Enfin, je ne sais pas trop comment ça se dit. Mais en tous les cas, ça se trouve juste ici, là-bas. Donc, on va se rendre à cet emplacement. Et nous allons aller voir ce qui s'y cache. Et normalement, dès que vous aurez visité les trois lieux que je vous ai montrés, hein, donc la bomboche, la cascade de réalité et la salve des sports, bah là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses, comme je viens de le faire actuellement. Et là, je peux apercevoir que c'est un endroit un petit peu tranquille. Est-ce qu'on peut rebondir sur ça? Ouais, parfait. Donc voilà, c'est un endroit avec plein de petits champignons et qui vous donne des shields en plus quand vous rebondissez dessus. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, dès que vous aurez visité les trois lieux, bah vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Swakulo Mike et ciao, peace!